sur la pollution et les difficultés que traversent les campements villageois. Aujourd'hui, en Casamance, le succès touristique qu'on a, je crois que les campements villageois ont une part très importante dans ce travail. C'est vrai, les campements, depuis plusieurs années, traversent des moments difficiles. Et aujourd'hui, nous demandons à l'État de les aider à relancer encore les activités et surtout dans les aider à trouver cette réalisation. Ça, c'est important. Si les campements marchent, ensemble, on change, car ça pourrait être une très bonne chose. Parce que les bénéfices et tout reste ici. Donc, vraiment, c'est des gens qui n'ont pas de moyens. Il faut vraiment aider à renouveler les établissements, les aider dans le système de fonctionnement de la bouche. Le deuxième point que je voulais parler, c'est l'occasion, on est là. Nos voisins qui sont à côté, la région de Kolda, les élus, il faut vraiment aussi qu'on essaie de les aider. Ils ont un tourisme spécial, c'est le tourisme culturel, le tourisme de chasse, et aussi c'est des établissements vraiment aérés pour qu'ils puissent quand même lancer leur carrière. C'est voilà ce que je voulais rajouter à vous, pour vraiment qu'on attire un peu l'attention sur la promotion.